Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'Olympique de Marseille. Au programme de ce mardi 13 janvier, les inquiétudes de certains journalistes, l'avis de Jean-Michel Aulas ou encore le portrait de Wesley Jobello. Selon le Disport, Morgan Sanson, dont la valeur est estimée à 3 millions d'euros, pourrait faire le plus grand bien à l'OM. L'hebdomadaire considère que le Montpelliérain pourrait compenser le départ d'André Ayew à quelques mois de la fin de son contrat. La Provence s'inquiète du début d'année phocéen. Dans son édition du jour, le quotidien remet en cause la tactique à 3 défenseurs et indique que le vestiaire ne semble plus supporter les charges de travail. Un article qui a un air de déjà-vu. Yahoo publie quant à lui le top 10 des raisons de voir l'OM champion. Il estime en particulier qu'un titre viendrait d'abord récompenser la régularité, que Gignac mérite de remporter la Ligue 1 et que cela fermerait quelques bouches au PSG. Le Parisien relaie pour sa part les propos de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais trouve dommage que Vincent Labrune ne puisse rentrer dans le vestiaire des joueurs et considère que l'équipe olympienne paie actuellement l'absence de Nicolas Nkoulou. Enfin, le site Espoir du football consacre aujourd'hui une page au portrait de Wesley Jobello. Il pense ainsi que l'attaquant pourra atteindre un bon niveau de Ligue 2 malgré une nonchalance qui agace parfois. La revue de presse, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site footmarseille.com, sur notre chaîne Dailymotion ou sur notre application pour iPhone. Bonne journée à tous et allez l'OM!